et bienvenue, jeune guerrier. Aujourd'hui, nous allons parler de la Myrmicaria natalensis, qui m'a gentiment été offerte par Messorum. Comme tu peux voir, cette fourmi ressemble à une Messor couplée à une Polyrachis. C'est une espèce qui nous provient d'Afrique, dans beaucoup de contrées, Tanzanie, Mozambique, Angola, Namibie, Afrique du Sud, Guinée, Côte d'Ivoire et République démocratique du Congo. Sa température de maintien est de 28 degrés. Elle n'aime pas trop l'humidité, genre 30% c'est largement suffisant. La reine mesure entre 12 et 13 mm, les ouvrières entre 5 et 8 mm. Elle est principalement insectivore. Elle a un nom français assez comique, la fourmi à queue tombante du Natal. Regardez-moi ces ouvrières, elles sont vraiment magnifiques. Ça change les Camponotus. Elles marchent avec le gastre en avant. Elles sont très agressives. Les larves se nourrissent directement sur la blatte. La gyne mange directement sur la blatte. C'est vraiment impressionnant. Regardez-moi, elles sont vraiment jolies. Je les adore. Franchement, remercie Messorum pour ce joli cadeau. C'est un développement très rapide. La reine peut vivre 20 ans. Et vu sa répartition géographique, la diapo se situe environ à la température ambiante de 18 à 20 degrés. Regardez-moi ces jolies ouvrières. On peut voir un polymorphisme impressionnant aussi. Il y a des plus grosses et des plus petites. C'est une ADC assez simple, un tube. Pour l'instant. Désolé pour le reflet sur le tube, mais on ne sait pas faire autrement. Je vous laisse profiter du reste des images en musique et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, le Viking.